Bourbons. Merci beaucoup. Malheureusement, je ne suis pas capable de vraiment parler parce que il y a des gens qui essaient de nous faire taire. Et on a travaillé très fort toute la semaine pour leur montrer que nous, nous ne reculerions pas. Et je suis très touchée de vous voir ici parce qu'il fait vraiment froid. C'est frigorifiant dehors et vous vous êtes pas arrêté à la température, à la pluie. T'as le droit de parler, Julie! Je voudrais remercier Marianne Alpin qui a eu cette idée extraordinaire. Je voudrais remercier Madame... Non, mais c'est Madame Sirois, c'est ça que j'allais dire. Je voudrais remercier Madame Sirois, Michel Sirois. Et je voudrais surtout vous remercier parce que nous, on a beau travailler bénévolement, on a beau avoir fait tout ce qu'on a fait, si vous n'aviez pas été là, il n'y en aurait pas de mouvement. Et grâce à vous, je pense que le Québec s'est levé aujourd'hui. Ouais! Sur www.laïcitéquebec.org. On était à près de 40 000 ce matin. Alors, on veut faire signer. Alors, et puis, vous pouvez aussi devenir une Jeannette sur notre site, lesjeannettes.org. Mais je vous invite surtout à signer la pétition du Rassemblement pour la laïcité que Guylaine Tremblay, Gilles Vigneault et plusieurs personnalités, comme Paul Piché qui est ici, Régent Thomas, le docteur Régent Thomas, ont signé. Donc, je vous invite et je veux surtout vous remercier d'avoir été là. Nous autres, on ne savait pas si vous alliez être 100, 200 ou 1000 ce matin, mais vous étiez 20 000 sur la place des Pessiers. Et je voudrais remercier Jeannette Bertrand. Si elle, à 88 ans, elle continue de se battre, mais nous autres aussi. Pays, c'est votre tour.